Bonjour à tous. Depuis plusieurs années, on a vu une explosion des pénuries en médicaments et particulièrement durant le temps de la COVID et on est vraiment à un point critique en ce moment. L'enjeu de la sécurité de l'approvisionnement en médicaments est maintenant sur la table. Je m'appelle Marc-André Gagnon, je suis professeur en politique publique. Je me spécialise sur l'économie politique du secteur pharmaceutique. Le 23 mars, avec Cœur des sciences, je vais présenter sur la question en termes d'économie politique de cet enjeu de la sécurité de l'approvisionnement et des pénuries. Je vais faire un état de la situation. On va regarder quelles sont les différentes causes. Il y a énormément de causes multiples qui sont derrière ça et aussi les possibles solutions. Et un petit peu le message général que j'aimerais apporter, c'est que jusqu'à présent, on a organisé beaucoup notre façon de répondre à ces enjeux-là en termes de comment est-ce qu'on peut mieux aider le secteur privé et comment on doit compter sur le marché pour nous aider dans tout ça. Et il me semble qu'on est rendu à une autre étape, à savoir comment développer les capacités institutionnelles nécessaires pour mieux discipliner le marché, mieux se protéger des pénuries et assurer la sécurité de notre approvisionnement en médicaments au Québec et au Canada. Merci.